Le Conseil provincial de la jeunesse de Lomami a désormais de nouveaux dirigeants. L'élection de ces derniers a eu lieu le week-end dernier à Cabinda, chef-lieu de la province, en présence du gouverneur intérimaire. Le ministre provincial Trésor Tshibangu a été élu président. David Mwembo Eyamo, Sylvain Fizé-Mokedi pour le reportage. Devant le membre du Conseil provincial de sécurité, ceux du cabinet du gouverneur ainsi que du comité organisateur, Trésor Tshibangu Muteba, ministre provincial de la Santé assumant l'intérim du gouverneur Sylvain Lubamba Mayombo, a appelé les électeurs au scrutin du Conseil provincial de la jeunesse qui étaient réunis dans la salle Ubuntu du gouvernorat à faire un choix judicieux de membres du comité du CPJ. Parce que ces élections ne sont pas organisées pour nous diviser, mais beaucoup plus pour nous souder encore davantage. Parce que, comme je l'ai dit, la province de Lomami est une et indivisible. Et après ces élections, elle demeurera une et indivisible. Sur les 86 votants, tous issus des associations et ONG régulièrement affiliées au CPJ, 74 ont jeté leur dévolu sur la personne de David Mwembo Eyambo. Ces derniers, ainsi que les autres élus aux différents postes, ont été présentés tard dans la soirée à l'autorité provinciale faisant l'intérim, qui n'a pas manqué de justes mots à leur dire. Vous êtes élu pour représenter notre province. Vous êtes un conseil provincial de la jeunesse. Et pour ça, je vous invite beaucoup plus à être fédérateur. Vous êtes élu, pas pour un cas, pas pour une association, pas pour un territoire, mais vous êtes élu dans l'intérêt de toute la province. Je note ici que le territoire de Lubao est représenté. Oui. Le territoire de Cabinda est représenté. Oui. Le territoire de Lulu est représenté. Oui. Le territoire de Ngandajika est représenté. Oui. Le territoire de Kamiji est représenté. Oui. Signalons que l'organisation de cette élection a été au cœur de controverses entre certaines structures de jeunes et le comité organisateur. Ces derniers étaient accusés d'avoir politisé ces scrutins et d'écarter d'autres entités de la province.